Salutations peuple de la Terre de retour sur Bioshock Infinite, Bioshock Infinite. Dans l'épisode précédent, on a à nouveau changé de dimension. On a vu des trucs pas très sympas sur Daisy Fitzroy qui est censé mener une révolution et qui là dans cet univers apparemment tuer des enfants. Donc on a été obligé de la tuer. Et on est rentré dans le Première Dame. Et on va partir pour de bon cette fois. Enfin, faut espérer. Frapper à la porte. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Ah oui, elle s'est enfermée, oui. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que Elizabeth a tué Daisy Fitzroy, donc du coup, elle a un peu du mal à accepter le fait qu'elle ait tué quelqu'un. C'est vrai que c'est pas super facile. Moi, je me souviens, la première fois, ça a été très compliqué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé ses cheveux? Avec le ciseau plein de sang. C'est tout ce qu'ils avaient. Des cheveux. Écoute. Comment vous faites? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour oublier. Ça fait bizarre avec les cheveux comme ça. Pour effacer son passé. C'est pas moche. On peut pas. On apprend à vivre avec. J'aime bien. Attention, c'est notre moment de vérité. New York? Ou Paris. Non, 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 oh, merde. Allez, on doit trouver le moyen d'accélérer la cadence. Bonne question. Changer de cap. Il doit y avoir une sorte de manette ou d'accélérateur. Tu saurais me dire à quoi ça ressemble? Je ne sais pas. Aide-moi à chercher. Oh, aïe, 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 aïe. Elisabeth, accroche. Accroche-toi, Elisabeth. Oh, le bordel. On n'arrivera pas à quitter cet endroit. Hein. Ça enregistre bien tous mes trucs, là. Ouais, c'est bon, tout est enregistré. Attendez, j'appuie sur les boutons. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai oublié de démarrer un compteur. C'est pas grave. Je sais que... on est à peu près à 2 minutes. C'est embêtant, cette histoire-là. C'est chiant, on n'arrive pas à sortir de cette ville. Incroyable. Alors qu'il suffirait de se jeter, hein. Il y a de l'eau en dessous. Bon, on va faire un méga plat, mais... Je ne sais pas ce que c'est Emporia, on n'y a jamais été. Vous savez, vous? Je vous demande des trucs, mais vous me répondez pas. Je viens juste d'apprendre qu'on pouvait changer les toniques, qu'on pouvait en avoir plein. Très bien, attends. Tu veux. Booker, on doit les arrêter. Non, qui ça? Ça, c'est un mythe. Mais Booker, je te dis que c'est ça. Non, tu te trompes. Mais si, voyons. Non. Si, non. Si, si, finis ta chanson, il va revenir. Voilà. Toi. Très quoi bien. Quelle chanson? Arrêtez! Ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Arrêtez, vous ne savez pas ce que vous faites! Ah, nous y voilà. Non, ça y est, à cause de vous, il va revenir, il va revenir. C'était les bonnes notes. Mais pas le bon instrument. Il ne répond qu'à l'appel des deux. Mais si vous savez chanter pour lui... Il vous emmènera où vous voulez. De quoi on parle? Je peux tu prendre la carte. Autre chose, mon cher frère. Qui une êtes-vous valse, peut-être. Nous sommes où nous devons qu'est-ce être. Qu'est-ce que c'est? Et devons être où nous sommes. Comme Stock se sert de chansons. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Une qui éloignerait l'oiseau? Mais posez donc la question, mon maestro. Où est-ce qu'il est? Et voilà, évidemment. Ils ont disparu. Ouais, au moins, le piano est toujours là. Poussez le piano. Mais Elisabeth, calme-toi, arrête d'aller devant. La maison de Comstock. C'est notre point de départ pour le retrouver. Eh ben dis donc. Tous ces gens, où vont-ils? Le plus loin possible de la Vox Populi. C'est horrible cette ambiance. Si en fait Emporia c'est là où on était avant quoi. Enfin quasiment. Enfin c'est le même style d'habitation. Enfin vous m'avez compris. Vous m'avez pas compris? Vous comprenez rien. C'est par où qu'on va?
par là, évidemment. Putain, mais ça lui va vachement bien, cette coupe de cheveux. Si j'ai un truc avec les coupes de cheveux, faut savoir que ce que je regarde chez les gens en premier, c'est la coupe de cheveux. Tenez, gardez ça. Merci. Il y a un truc là-bas, j'aimerais bien y aller pour voir. Dégâts optimisés, tout ça. Lance-grenade, tout ça. Bon, on va prendre. Voilà. Il a été tué, le monsieur. C'est qu'il y en a partout, quoi. Parce que j'ai un petit problème. C'est pas du tout ça que je veux, moi, comme arme. C'est un peu de la merde, ça. Donc on va prendre celui-là. La charge, elle était classe. Donc toi, tu décèdes. Toi, tu décèdes. Merci. Bon, vous me faites tous mal, là. Ça va pas, hein. Voilà, donc ça, c'est un cadavre a été fouillé. Eh, hey, toi là-bas, là. Bon, d'accord, je souffre. Je suis mort. Je suis mort. Ben ouais, mais c'était chiant. Hein. On va passer par là-bas, ce sera mieux. Vous êtes relou, les mecs. Hein. J'aime pas vos gueules. Là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que je peux avoir à manger? Merci. Ouais, grave. C'est clair. Vas-y. Je vois pas pourquoi il faudrait une flaque d'eau, mais bon. Voilà. Ouais, mais bon, de la santé aussi, parce que bon, apparemment ils font super mal, alors c'est un peu chiant. C'est où? C'est par là qu'on doit aller? Crochetage impossible. T'inquiète pas, on va s'en occuper. Bon, là-bas, il y a les kits de soins. Bon, tant qu'à faire. Là, celle-là. Non, l'abri, en fait, j'en avais rien à péter, c'était pas vrai. Voilà, merci. Vas-y, donne toujours. Ah, les kits de soins, c'était ça que je voulais. Merci. Merci, ça va mieux. Hop, on peut y aller maintenant ou il y a toujours un combat quelque part que j'ai pas fini? Crochetage avec une épingle. Elisabeth. Ça ne prendra qu'une minute. L'oiseau dans cette chanson. C'est comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours aux anges quand je l'entendais. Aux anges? Je n'avais que lui. Il m'apportait à manger, de quoi lire. C'était mon ami. Ton ami? Et puis j'ai grandi. Et je l'ai détesté. Parce que c'était mon geôlier. Et c'est la créature de Comstock, non? Il est comme moi. Mine-toi le cul. C'est fait. Oui, je peux passer? Tu me gênes un peu le passage, en fait. J'ai vu un truc briller, là. De la thune! Fitzroy ne vaut pas mieux que Comstock. Non? Lorsque la foule a goûté au sang, difficile pour elle de faire marche arrière. Tout est notre faute, c'est ça?
Mais non. Mène-toi le cul. Ça, c'était voilà. Derrière. Ouais. Faucheur, ça peut être sympa ça. On va prendre le faucheur. Avec ses munitions. Nous vous proposons le faucheur avec ses munitions. Qu'est-ce que c'est que ça? Infusion, infusion, infusion. De bouclier, parce qu'il est pas si balèze que ça, mon bouclier. Ce qu'il me fallait. Non mais, peu importe ce que tu prends, tu dis ça de toute façon. Allez, on y go. J'imagine que c'est par là. Exactement. C'est par où? Eh, hey, il y a des trucs là. Ah, oh, des crochets. Putain, enfin quelque chose permet de créer des chaînes électriques entre les ennemis. J'ai tellement pas de sous quoi. Déferlante optimisée. Impulsion assistée. Augmente le nombre d'ennemis affectés simultanément. Je vais prendre ça. Voilà, nickel. Ensuite, bah vas-y, file. Elle me trouve toujours de l'argent au moment où où j'ai déjà acheté des trucs. Kit de soins, c'est pas la peine. Cristaux, c'est pas la peine. Munitions, carabine, c'est quoi? C'est une carabine que j'ai? Non, c'est une... je ne sais plus. C'est un réflecteur, paraît-il. Et c'est un truc chelou. Voilà, un faucheur. Voilà, comme ça j'ai tout. Donc je ne sais pas ce que ça fait, mais on va bien voir. On y va. Allez chez Comstock. Voilà. Découvrez un avant-goût de demain. Je crois que vous, faut vous tuer. Putain, ça fait mal ce truc, hein. Ah mais oui, je me souviens, je l'avais effectivement déjà testé. Par contre, c'était... c'est bien, mais... C'est quoi, ça? C'est bien, mais le problème de ce truc-là, c'est que... bah, il n'y a pas beaucoup de munitions, et que ça prend du temps, et qu'il faut tirer de plutôt près. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on y va. Allez chez Comstock. Welcome to Emporia. Not exactly. J'ai une vision en arrivant ici. Un rêve. C'était New York, mais beaucoup plus vaste que dans la réalité. Tout était en feu. Pourvu que la magie. Comment je fais pour passer? Pas sur vous. Non, parce qu'il y a un trou là. Mesdames et messieurs, il y a un trou. Ok, alors vous allez vouloir me tirer dessus. Merci. Ah ok, je viens de voir. Entre les deux épisodes, en fait, j'ai activé l'aide à la visée. Et j'avais jamais compris ce que c'était l'aide à la visée. Je trouvais que ça m'aidait pas du tout. Et en fait, je sais ce que c'est l'aide à la visée. C'est le principe, si l'ennemi bouge, en fait, il va garder le curseur automatiquement sur l'ennemi. C'est ça l'aide à la visée. Sachez-le. Voilà, c'était ça que je cherchais. On y va. Alors, on peut aller là-bas, évidemment, mais il y a un truc ici. Santé, cristaux, mes couilles. Je ne sais crochetage. Laissez-moi inspecter. Vas-y, inspecte, inspecte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je suis en train de viser un mec qui serait là, s'il bouge sur la gauche, ça va bouger tout seul. Actionner le levier. Attendez, je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté d'abord. Parce que j'y ai pas été. Hop, nickel. Y a rien du tout. C'est parfait. Du rien, j'adore ça. J'adore le rien. Et là-bas, il y a des jumelles. On peut les utiliser? Histoire de voir un peu ce qui nous attend. Alors, là, déjà, on a une personne. On peut zoomer ou pas? Non. Bah, on a une personne. Voilà, on le sait maintenant. On a une personne. Est-ce que vous pensez que je peux le tuer de loin? Ça doit être une statue en fait. Voilà, bon, on y va. On arrête de faire les idiots. Je viens de comprendre qui était ce couple. C'est qui? Enfin, ah non, c'est les... inventé la technologie qui permet à la ville de flotter. Les gros ballons. Des particules quantiques. Gelé à hauteur fixe dans l'espace-temps. Rien à voir avec les gros ballons, donc? Mais d'après mes livres,
Ils auraient disparu depuis plusieurs années. Je t'avais dit qu'ils viendraient. Non, je ne crois pas. Ah, eh bien, quoi qu'il en soit, j'en avais l'intention. Mais tu ne l'as pas dit. Non, pas encore. Tu es sûr de toi? Je crois qu'avec eux, il ne faut pas se fier aux apparences. J'allais t'avoir dit qu'ils allaient venir? Non. Futur antérieur? Non, pas le futur antérieur. La grammaire n'a pas encore été inventée. Il aurait fallu qu'elle aurait été. Aurait fallu? Aurait été? Ça ne veut rien dire. Je crois qu'ils veulent nous aider. Je crois qu'ils sont fous alliés. Étrange, non? Quoi donc? Qu'il nous arrive parfois... De finir les phrases de l'autre? Exactement. Le contraire serait étonnant. Comment ils font ça, à votre avis? Je te répondrai dès que j'aurai compris cette histoire de ville flottante. Ces gens me font peur. On peut sortir? Non, d'accord. Allez, s'il vous plaît, merci. On est presque chez Comstock. On est presque chez Comstock, hein, attention. Je vais de l'autre côté. Je veux tout récupérer. Il n'y avait rien à prendre. Ok. Hop. La progéniture du prophète montera sur le trône. Il me préparait, c'est ça? Comstock? Ouais, je crois bien. Mais pourquoi m'enfermer? Eh ben... Ils se prenaient pour les rois du monde. Ah, regardez un peu. Voilà, donc vous êtes complètement mort. Hein. Je tiens à le dire, vous m'avez même pas vu venir. Tenez, de l'argent. Merci. Pour une fois que tu me le donnes avant... Ouais, mais bon, j'ai que dalle. Peut-être que je peux améliorer lui. Allez, on va l'améliorer. Putain, mais je suis déçu d'avoir vu que maintenant qu'on pouvait changer les trucs. Quoi. Et apparemment, je les ai presque tous. Hein. Il m'en manque un. Et j'aurais catch them all. Oui. Les temps sont difficiles. Et j'aurais bien besoin. C'est de... verrouillé. Ça devrait être facile. J'espère que personne ne m'a. Ne m'a oublié. C'est là-haut. Fait. Mais. Revenons à la musique. Oh putain. Eh, un peu de thune. Même à la radio, c'est une horreur quoi. Putain, il m'a fait peur ce porte-manteau. Bon, bah la musique, elle est pas très musicale. C'est par où? Bah, en général, il suffit de suivre Elisabeth, hein. Elle sait où est-ce qu'on doit aller. Bizarrement. On tient le quartier. Exécutez tous ceux qui pourraient nous poser des problèmes. Tous ceux qui portent une arme. Tous ceux qui portent des lunettes. Tous ceux qui portent des lunettes? Monsieur Comstock! La prochaine fois qu'on se verra, ça sera pas pour discuter. C'est chiant de pas avoir de sous-titres là-dessus. Vous voyez, je suis allé dans l'antre des héros pour scalper votre faux berger pour vous. Mais ce que j'ai découvert, figurez-vous, c'est que ce DeWitt parle la langue des Sioux. C'est-à-dire... Il m'a aidé à communiquer avec ce gamin estropié que j'ai recueilli. C'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant que j'en sais un peu plus sur sa vie dans votre ville, je me dis que quand je vais vous écorcher, je le laisserai guider la lame. Alors, excusez-moi, je parle pas beaucoup. Parce que là, je suis pris dans l'histoire en fait. Merde, j'ai ouvert le coffre sans le vouloir. Un jeu d'enfant. Voilà qui est fait. J'ai trouvé de l'argent. Oui, moi aussi, dans le coffre. Attrapez. Eh, on commence à être riche. J'aimerais bien que tu m'ouvres la porte qui est là-bas. C'est pas par là qu'on doit aller. Ah non, du coup. On a une serrure à crocheter. Laissez-moi inspecter. Dépêche-toi. Putain, j'ai mangé de l'ail ce soir. Voilà. J'ai les doigts qui sentent l'ail. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. Non, j'aime bien l'ail, mais... Oh, wow, putain. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens. J'ai des munitions. Merci. Bonjour, bonjour. Je vous fouille. Donc, j'imagine qu'il y a des trucs sympas par là-bas. Le problème de ce jeu... Enfin, c'est pas un problème.
C'est c'est qu'il est vachement sombre, hein. L'ambiance est trop sombre pour moi. Il y a plein de trucs, on ne voit rien quand même. Je veux dire, j'habiterais là-dedans, je serais déprimé. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Encore un truc d'armerie. Hop, on va prendre les cafés, les trucs. Une malle qui était vide. Tu m'as fait peur, j'ai failli te buter. Qu'est-ce que... Ça m'énerve quand ça fait ça. C'est quoi? C'est la chemise. Alors on a 100 contre-cristaux. Et bouclier, vous devenez invulnérable lorsque vous sautez sur ou de l'aérotrame. Ça m'intéresse plus parce que les cristaux... qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Hein, qu'est-ce qui est idiot? Putain, la plante me fait peur maintenant. Fusil à pompe. Non, je cherche la machine. Ah, elle est là. Alors... dégâts optimisés, canon à rafale, c'est pas ça que j'ai. Réflecteur, c'est ça que j'ai. Et on peut pas virer puisque j'ai pas assez dessus. Oui, je sais, je pourrais optimiser aussi les trucs que j'ai pas, mais c'est un peu débile. Merci. À chaque fois, je fais l'erreur de enlever une oreillette pour avoir le son moins fort, pour que ça me gêne moins. Et le problème, c'est que bah, on l'entend plus. Si elle est à gauche. Non, on va pas le regarder, flemme. Flemme. Utiliser les toilettes, c'est toujours ma grande passion. Hop, là on a pas mal de trucs. Un lance-roquette. Alors, c'est quoi que j'ai là? Oups. C'est un... Ouais, bon, on va garder tout ça. Par où on va? Maintenant qu'on a visité les toilettes. Attends, il y avait un truc ici. Je l'ai vu dans le coin là. Un crochet. Parce que là on a quand même bouffé tous les crochets avec cette salle. C'est par là-bas. J'ai été là? Oui. J'ai été. Vas-y maintenant. Ah, il y a des pyromanes là. Donc toi, t'es mort. Putain la vache. Où es-tu? Où es-tu? Ah, vous êtes là. Voilà, headshot. Je dirais qu'il n'y a plus personne, vu le son de la musique. Voilà. C'est par où? Parce que là, je trace un peu, j'en ai un peu marre. De me balader. C'est par période, hein. Des fois j'ai envie de me balader. Des fois j'ai envie de tracer. Putain, on commence à avoir pas mal de thunes. La prochaine amélioration qu'on fera sera pas mal. Hop. On y va. On a combien de temps, les enfants? Ok. Elisabeth. Merci beaucoup. Qui me tire dessus? Ça m'énerve ce truc, j'arrive à l'utiliser une fois sur deux. Ok, attrapé. Merci. Non, merci. Là, celle-là. C'est la bobine que je voulais, hein. Le reste, je m'en tape un peu. Pour m'aider un peu, Elisabeth. Hein. C'est tout le temps moi qui tue les gens, j'en ai ras le cul. Hein. Voilà. Merci. On va se mettre ici, comme ça vous allez venir me voir. Vous allez avoir mal. Oui, je vois l'idée en fait. C'est-à-dire que quand on est sur eux, après s'ils bougent, bah, ça continue de bouger. Qui me tire dessus? Eh, hey, vous êtes beaucoup! Celle-là! Okay.
Tu peux me réactiver la bobine Tesla qui était dans le coin? Par contre. D'accord. Vous me faites mal, monsieur. S'il vous plaît. Voilà. J'aimerais bien. Merci. Parce que là. Voilà. Ensuite, faites-vous. Si vous pouviez me laisser reprendre mon bouclier de temps en temps, ce serait très gentil. Ah, vas-y, merde, t'es relou comme mec. Un peu de vie, s'il vous plaît. Canon rafale, comment on s'en fout. C'est par où qu'il faut aller? En haut? Ah, dis donc, il y en a des gens morts ici. En plus des fusillés, quoi. Crochetage impossible, en combat. En combat. Où est celui que j'ai pas tué? Tiens, un truc qui brille là. C'est une arme. Canon à manivelle, on s'en fout. Bon, qui je n'ai pas tué? C'est relou. Où ça? Ah, là-bas. Merci. Ouais, je sais, je suis un grand malade. C'est bon, il est fini le combat? Parce que c'était chiant là. Hop, on y va. Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc? Franchement, sans problème. Vous n'avez rien de plus difficile. C'est fait. Alors. Vas-y maintenant. Très bien. Ok, j'aimerais monter. C'est l'heure de mourir. J'aimerais m'accrocher. Merci. Voilà. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie là? C'était quoi ça? Ah oui, c'est l'effet de quand je descends de l'aérotram, on peut pas me toucher. Génial. Rechargement accéléré, mes couilles. Bon, on va pas prendre tout ça. Flemme. Je préfère améliorer les cristaux, tant qu'à faire. Les armes, j'ai déjà bien amélioré. Alors, comment on fait pour redescendre? Comme ça. Ça se refermera derrière nous. On ne pourra plus revenir. Ouais, il y a toujours un principe dont on peut pas revenir. Je peux pas voler la caisse. Je peux rien voler ici, c'est nul. J'ai trouvé de l'argent. Oui, moi aussi, plein. C'est parfait. Voilà, commence à être riche. Alors. Tu peux ouvrir ça. Appelez l'ascenseur. C'est un verrou à double cadran. D'après mes livres, monsieur tout le monde garde la combinaison à portée de la main. J'espère qu'on est tombé chez lui. Il y a un truc chelou qui s'est passé là derrière. Oui, et on fait quoi là en fait? On attend l'ascenseur ou... Il s'ouvre cet ascenseur ou... Mes couilles? Ah non, d'accord, il faut trouver la combinaison. J'avais mal compris. Je pensais que c'était ailleurs. J'avais pas vu qu'il y avait une combinaison à l'ascenseur. C'est peut-être ça. De quoi? Ça? Comment ça, ça? Je sais pas, j'ai dû la trouver. Hein. Qu'est-ce ah non. Qui t'a attiré dans le crochetage et le déchiffrage? Si vous vous retrouvez dans une cage, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Je veux bien te c'est croire. Clair, et je ne c'est veux clair. Plus jamais qu'on m'enferme. Thank you.
Ok, je vois l'histoire. En fait, c'est les statues de Comstock qui appellent le Songbird, il s'appelle. Elisabeth. On peut la péter la statue, je veux la péter. Elle m'a énervé, je veux la péter. Elle est partie où encore? Elisabeth, tu... Promettez. Je vais l'arrêter. Non. Vous savez que c'est impossible. Mais s'il me retrouve, je préfère encore être morte que de retourner là-bas. Carrément. Ça n'arrivera pas. D'accord. D'accord. Comment on fait pour monter? Arrête de pleurer, Elisabeth, ça meurt. Oui, j'en ai profité pour tousser. En faisant semblant de pleurer. Le temps passe trop vite avec ce jeu. Vous vous rendez pas compte, là il est minuit moins 5. Donc faites le calcul. Par rapport à la durée totale de la vidéo. Je vais me coucher tard moi encore. Et puis je me suis dit j'enregistre qu'un épisode. Les épisodes font 45 minutes quand même. Le bordel! Quel bordel incroyable! Regardez. La Vox Populi est en train de tout saccager. Où ça? Là? Moi j'ai rien contre la Vox Populi, hein. C'est eux qui m'aiment pas parce que je suis mort. Oula putain! Bon, et eh ben direction l'aérotrame. Non, s'accrocher. Ah ouais, carrément. Celle-là. C'est par où? C'est par là? C'est par là. C'est toujours par là? C'est toujours par là. C'est toujours par là? Je pense qu'il faut descendre. Ah non, ça va remonter. Bon bah on remonte alors. C'est par là? Non du tout. C'est par où? Ah c'est par là-bas. Là. Est-ce qu'il marche ce leurre? Pas vraiment. Bon. Fouille le cadavre, j'imagine que c'est là, non? Ah ouais, je dois quand même buter tout le monde. Bon. Merci. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je suis concentré. Alors attendez, laissez-moi prendre juste le baiser du diable et éclater la nappe de pétrole pour ensuite électrifier quand j'aurai 2 minutes. Je m'en fiche de lance-grenade. Je suis un peu occupé là. C'est vrai que depuis que je fais les combats tranquillou, c'est quoi ça? Plus de flamme? Qui me fait mal? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Tu recharges, je veux bien, mais t'es où? Je ne comprends pas où tu es. Bon, eh ben on y va. Il a des roquettes. Ouais, mais où? Là-bas? D'accord. C'est chaud hein, quand même depuis l'aérotrain. Ah oh, putain, Andyman. Ça, ça pique ça. Hein. Non, je ne viendrai pas te taper, Landyman.
Attendez, peut-être avec celui-ci, l'Handyman peut électrifier l'aérotrame. Oula, putain. Aïe, aïe, ça pique. Je commence à souffrir. Oh mon dieu. Ouais, mais là, je vais mourir, là. Si Elisabeth me donne pas de la vie dans 2 secondes, c'est mort. Elisabeth, je vais décéder, Elisabeth. Elisabeth, je suis morte. Je suis mort, Elisabeth. Mais bah, c'est ta faute, attends, t'as rien trouvé. T'es relou quand même, comme meuf. Je veux dire. Ça se voit, quoi, que je vais mourir. Je sais même plus par où faut passer maintenant. Hop. En même temps, si l'autre connard il électrifie le truc avant que j'y aille, ça va être compliqué d'aller le taper. Je t'en prie. J'en ai rien à foutre de ta gueule, t'es bientôt mort. Ah la vache. Comment vous êtes relou. Maintenir pour lance-roquette, non c'est bon. C'est bon là, c'est fini ou... On peut y aller ou... Et voilà, j'ai encore fait le même truc que d'habitude. J'appuie trop vite, c'est quoi ces bots? Bottes étreintes vampiriques, donc ça c'est santé quand je tue des ennemis au corps à corps. Ça on s'en fout. Hier, les dégâts augmentent de 25% lorsque vous visez avec précision. Les dégâts sont réduits de 25% lorsque... Ah bah non, bah je vise jamais avec précision. Donc on va garder ça. Alors, monsieur, vous avez une très grande main. Vous êtes au courant? Comment ça par là? Il y a 2 secondes, fallait que j'aille avec la porte. C'est... Je comprends plus. C'est où? C'est pas là? Je comprends pas, c'était là? Ben oui, c'est là. Il y a une serrure. GPS de merde. Il y avait un truc chelou là. C'est fait. C'est fait. Excusez-moi monsieur, je vous pille. Et c'est quoi cet endroit si on doit pas y aller? Parce que le GPS dit que c'est pas là. Hein. Alors je sais pas où je suis, mais c'est sympa. En tout cas, il fait très noir. Hein. Je fais ça pour avoir un peu de lumière, ça marche pas trop. Fouiller la poubelle. Fouiller la poubelle. Fouiller la poubelle. Fouiller la poubelle. Bah on est rentré dans un musée, ça servait à rien. À moins qu'il y ait un truc spécial sur un des tableaux. Nous devons aller chez Comstock, Booker. Mais ouais, je suis d'accord. Je vois pas ce qu'on fout ici en fait. Qui est le mec qui a décidé de venir ici, franchement? Attendez, il y a une poubelle. J'adore fouiller les poubelles. Il y a tout plein de choses. Bon, faut que je monte sur l'aérotram, c'est ça? Alors, c'est où? Par où on va? Ah, faut descendre ici. Voilà. Encrochetage avec une épingle. À la boutique. Ce que tu m'as demandé de faire. Évitons de parler de ça. Est-ce que cette chose t'a fait du mal? Si jamais elle me rattrape. Ah oui, d'accord. C'est la mort, monsieur DeWitt. Ça y ressemble, mais je ne vois pas la différence. C'est quoi ce truc là? Des bouches, des goûts? Il y a un truc là-bas. C'est le dernier. On les a tous. C'est sympa ça. Ouh. Oui. Booker, un crochet.
Prenez-le. Je ne le vois pas. Ah, merci. C'est où le truc pour améliorer? Oui, il y a sûrement des gens. On va faire ça après. Enchaînement. Durée de l'électrocution améliorée. Charge optimisée. Ajoute des dégâts explosifs. C'est énorme ce truc là. Ça c'est quoi? Augmente la durée du bouclier et diminue le coût de cristal lorsque vous maintenez. Vous pouvez absorber et récupérer les munitions. C'est sympa ça. Oh, j'ai presque envie de prendre ça, mais... Allez. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez ? Non, mais... Ok. Qu'est-ce qu'elle m'énerve à me donner de l'argent quand j'ai fini d'acheter des trucs ? Génial. Pourquoi elle s'est cachée ? Je veux bien qu'il y ait des méchants, elle est là tout de suite, là. Je t'en prie. À vos ordres. Ah, il vient d'apparaître. C'est l'heure de mourir. Ouais, mais vous êtes où? Un abri. Ah, vous êtes là-haut. Un tireur d'élite par là. Ouais, j'ai vu, ouais. Il me défonce la gueule, le mec. Hein. Ouais, bah ça m'aide pas trop, ce truc-là. Hein. C'est bon, je l'ai eu. On va reprendre l'autre, attendez. Parce que finalement, là, j'ai pas le temps de... Vous avez occuper. Besoin de ça. Ah, absolument. Où es-tu? Alors... Je ne suis pas prête. Et pas prête à quoi? Je t'ai rien demandé, moi, pour l'instant. Waouh! Comment ça pique? Désolé, c'est tout ce que j'ai. Il pique, hein, sérieux, les. Les je sais plus comment là. Mais il est passé où? Le mec il s'est tiré quoi. Là, je vois que dalle ici. Hein. Bon bah il a dû mourir. Par où qu'on va? C'est pas précisé. On va continuer comme ça. Je vais tomber. Bon. Bah ouais, je sais. Je l'aurais pas fait comme ça moi aussi, hein, s'il y avait moyen de redescendre. Tu peux faire des chutes de ouf quand t'es sur l'aérotram, mais quand t'es pas sur l'aérotram... Il faut trouver un moyen de descendre autrement. Alors... Qu'est-ce qu'ils sont longs à buter, ceux qui sont en armure là comme ça? Ouais. Ok, attrapez. Merci. Où est le méchant? Vas-y. Comment je l'ai eu elle? Je ne suis pas prête. C'était ça que je voulais, monsieur. Voilà. Merci. Voilà, donc fouiller. Ensuite, est-ce que je pourrais avoir un peu plus de munitions, s'il vous plaît? Merci, non, d'accord. Je repose beaucoup à votre rêve. Quoi? C'est le même? Désolé, c'est tout ce que j'ai. C'est pas grave. Merci, parce que là je commençais à manquer.
Hop. C'est par où? C'est par là ou pas du tout? C'est... La flèche va où? Ok. Heureusement qu'elle est là, cette flèche, quand même. Parce que bon, il y a quand même pas mal de fois où je suis paumé, moi. Hein. C'est par là. Chargement. C'est la première fois que je vois un chargement comme ça en plein milieu. Ah non, il y avait l'autre fois aussi où j'avais fait 2 mètres et tout d'un coup il s'est mis à charger. Ok, donc tout ça j'ai. C'est par là, j'imagine. Allez chez Comstock. Oui, je la vois, oui. Qu'est-ce que c'est que cette... Madame Comstock, quel plaisir de vous voir. C'est aimable à vous de nous rendre visite. Surtout après votre mort tragique et cruelle. Madame Comstock. Ma robe. Cette machine me confond avec ma mère. Vos empreintes n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock. Seriez-vous souffrante? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth. Oui. Et il est temps d'aller me recueillir. Essayons c'est de trouver... crade! Vous voulez dire qu'on va aller profaner la tombe de Madame Comstock pour récupérer sa main? C'est ignoble! Tu me déçois, Elisabeth, j'ai envie de te tirer dessus. C'est dommage que je peux pas. On va s'arrêter là. Une petite minute avant... avant le... Je terminerai pas ma phrase, j'arrive pas. Une petite minute avant le temps prévu. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé la durée prévue. Parce que ça vient de sauvegarder, qu'on va pas se lancer dans un nouveau truc en plein milieu comme ça. C'est mieux de s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ce jeu est vraiment génial. J'ai quelque chose qui me chatouille le pied, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un courant d'air. Ce jeu est vraiment génial. Merci d'avoir regardé, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton suivant ou à droite. En attendant, la quiche Lorraine vaincra. Et ne détardera pas des mamans. C'est un peu chelou quand même. Dégueulasse, hein.